Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Lego Dimension. Je sais, j'en ai pas fait la semaine dernière. J'étais pas du tout motivée à tourner. Hein, et quand on n'est pas motivé, eh ben on n'est pas motivé. Il faut pas se forcer. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Il faut pas se forcer. Donc là, je vais essayer de tourner deux niveaux, c'est-à-dire 4 épisodes en tout si je suis motivée. Et si j'ai le temps, je pense avoir le temps. Donc comme chaque épisode, je vous ai promis une nouvelle personne à chaque fois, donc un nouveau personnage que vous pourrez découvrir. Et aujourd'hui, pour cet épisode et l'épisode d'après, nous allons accueillir la licence Scooby-Doo. Voilà, donc aujourd'hui c'est le premier, donc Sammy. Voilà. J'ai déjà construit les véhicules des deux personnages, de Sammy et de Scooby, avant de commencer, histoire d'être tranquille. Et bah, c'est parti. Allez, sans plus tarder, nous allons commencer ce niveau. Hop. Donc pour Sammy, hein, son véhicule, c'est la Mystery Machine. Voilà. Cinéma, Kultag. Je croyais qu'il était juste de mauvais poil l'autre fois. Quoi? Je suis le docteur. J'ai verrouillé votre détecteur, n'oubliez pas. L'autre fois? Comment ça, l'autre fois? Bien observé, Batman. Vous êtes le premier de la classe. Ceci est le TARDIS. Il voyage dans le temps. Je vous ai déjà rencontré, mais vous, pas encore. Paradoxe temporel. Vous mentez. Non. Voilà votre grappin. Clairement une copie. Écoutez, non, je le répète. Machine temporelle, pas imprimante 3D. Vous me remettrez votre grappin plus tard. Ok, vous sortez. Où sommes-nous? Est-ce que c'est important? Appelez-le, je ne sais pas, Dave. Voilà mon numéro de téléphone. Appelez-moi quand vous aurez des ennuis et je vous viendrai en aide. Oui, je suis sympa. Écoutez, dans d'autres circonstances, je vous aurais aidé. Mais si je croise mon propre courant temporel, ça ouvrira un trou dans l'univers assez gigantesque pour faire passer son égo. Enfin bref, bonne chance. Quelqu'un pourra-t-il m'expliquer ce qui se passe, je vous prie? Non, pas vraiment. Navré. Mais je crois qu'il y a une autre pierre ici. Yes, 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 yes. Je suis extrêmement contente parce que je suis une très très grande fan du docteur. Dépêchons-nous de trouver la pierre maîtresse. Et oui, on a déjà utilisé le Cyberman la dernière fois et je ne savais absolument pas que ça allait être Doctor Who cette fois. Donc Sammy, alors, il n'a pas d'arme, donc appuyer sur B ça ne fait rien. Donc il n'y a que X qui fait une action pour taper. Bah oui, il n'a pas de sabre laser, tout ça. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Allez, je peux... merci. Bon. Je peux pas tirer là, ok. Bon, allez, hop. On voit déjà assez nos personnages comme ça. Donc là, tout est gelé, apparemment. Il faut qu'on trouve une pièce maîtresse. Donc les choses les plus importantes à faire dans Lego, bah, c'est tout casser. Ah là, quelque part. Ok, donc il nous faut Kultag.
Bleu et violet, c'est cool, tac, parce que c'est la seule à pouvoir sauter. Oh, allez, yes. Allons voir ce qui se cache en haut. Alors, je sais pas vous, mais comme je disais tout à l'heure, je suis une très très grande fan du Docteur. J'ai vu toutes les saisons, même la dernière, la 11, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Dites-moi si vous connaissez cette licence, Doctor Who, voilà. Mais en tout cas, moi, je suis une trop trop grande fan. Donc oui, j'ai le Cyberman et le Dalek, mais j'ai pas le Docteur, mon chéri là. Je pourrais, si jamais plus tard j'ai plus aucun personnage à vous présenter dans les épisodes, je pourrais lui piquer son Docteur. Hop, voilà. Comme ça, ça me fera un peu... Pas de problème. Quelque chose... Voilà, là. Allez... Voilà. Oui, j'ai visé un petit peu plein de choses. Hein. Ok. Ah, voilà. Là, on a des pièces à construire. Donc, on va redescendre. Je garde un peu tous les personnages que j'ai. On va faire le tour là-bas pour ramasser les pièces et voir s'il n'y a pas des choses un peu cachées. Alors, les décors comme ça, c'est un tout petit peu chiant. Bon, allez, hop. Oui, moi, je vole. Je suis Batman. Je vais sûrement trouver la solution. Et ces tuyaux là, je non suis pas de mal. Bon. Ok. Ça marche. Oui, en fait, il clignotait parce que j'avais pas un perso à chaque endroit. Ok. Ah oui. C'est vrai que c'est les pouvoirs. Alors, le bleu, donc c'est Gandalf et Sammy qui sont dans le bleu. Ça veut dire que maintenant, il peut avoir le pouvoir de la glace ou pas. Ou pas. Allez, Kultag vert. Ah, voilà. Donc, Kultag, c'est électricité. Ok, j'ai compris. Donc, Sammy qui est au bleu. Voilà. Ah. Ok, donc tout ce qui flambe avec Sammy, je peux l'enlever. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui flambent? Non, il y a la glace. Ouais. Ben non, je vois rien d'autre qui flambe. Ok, donc maintenant Batman... Le rouge, c'est le feu. Donc voilà, je vais pouvoir faire fondre la glace. Mais oui, bien sûr, bien entendu. Suis-je bête ? Je suis Batman. Ça a l'air tout simple. Mais je dois toujours être prêt au cas où ce serait un piège. Mais oui, t'inquiète pas. Allez, allez, allez. Batman, vas-y, je crois en toi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, pour me dire ce que vous pensez du jeu. Donc là, c'est bien l'aventure principale hein, qu'on fait. Ok, alors, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, le grappin pour Batman. Ok, qu'est-ce que c'est? Élément eau, peuvent éteindre le feu. Ok, c'était Gandalf et Sammy qui étaient sur l'eau. Hop. Voilà, donc j'imagine que maintenant, il y a des choses à construire. Voilà. J'adore avec Gandalf, la magie. Hop, tout va tellement plus vite. Donc l'électricité, ce sera Kultag. Et ça, c'est la magie de Gandalf. Allez, 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 oui. Non? Oui. Ok, donc Kultag. Kultag qui est sur le vert au milieu et elle c'est l'électricité donc elle peut manipuler tout ce qui est électrique sans souci. Voilà donc le but du coup de Lego Dimension c'est vraiment de récupérer les pierres de pouvoir qu'on met au-dessus du portail et ces pierres de pouvoir après nous permettent bien sûr de les utiliser dans les autres niveaux donc c'est un peu ce qu'on fait là. Hein. Donc là, un Cyberman déjà détruit. Ouais. Alors. Bah, on va continuer, c'est parti.
Ok. Donc, point de sauvegarde. Là, il n'y a rien à détruire. Puis, cool tag, c'est pas facile de détruire les choses avec elle parce qu'elle fait que bouger et danser dans tous les sens. Ah, j'ai vu une cybermite. Alors, des fois, vous allez voir des genres de petits rats qui passent par terre. C'est une cybermite, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le docteur. C'est les cybermen, donc les hommes de métal, qui peuvent lâcher les cybermites. Donc, elles, les cybermites sont là pour... voilà, vous voyez ce petit truc-là? Hop, voilà, c'est une cybermite. Dans le film, donc dans la série plutôt du docteur, de Doctor Who, les cybermites sont là pour ponctionner l'électricité. Donc, il les lâche, par exemple, dans un magasin. Et ça permet de ponctionner l'électricité pour eux, quoi. Voilà. Allez, hop, on détruit les Cybermen. Parce que les Cybermen, c'est des méchants. Hop, et pourquoi ils ont de l'électricité au-dessus de la tête? Ah, il faut que je mette Batman en haut. Il a détecté un truc. Ah oui, d'accord. C'est le laser. Et Sammy peut le faire aussi, alors apparemment se rendre invisible pour approcher du laser. Ça a l'air tout simple, mais je dois toujours être prêt au cas où ce serait un piège. Ok. Mais me suivez pas, andouille. Il faut que je désactive les caméras de surveillance. Et voilà. Alors j'ai vu une cybermite passer, je sais pas si je l'ai eu. Ok, bon. Ok. Gandalf. Ah oui, la cybermite, je l'ai vue. Oui, je sais. Oh, une cybermite. Voilà, je l'ai eu. Bon, c'est des ennemis, hein, les cybermites, bien entendu. Ah oui, là-bas, il y avait de la glace. Donc, cette fois, ce sera... bah non. Non, c'est pas lui. C'est le feu. Bien sûr, pour faire fondre la glace, c'est le feu. C'est parti. Je suis sûre que c'est par là. Son, j'ai fait tout le tour. Ah, Bad Wolf, le grand méchant loup. Donc, pour ceux qui connaissent le docteur. C'est peut-être un système voilà. De verrouillage. Ok. Donc il semble y avoir un dessin à refaire. Oui, moi je trouve ça vachement bien qu'ils aient fait un niveau avec le docteur. Ah, c'est Gandalf. En plus, avec le système de je voyage dans le temps, donc... Donc vous me voyez pas dans l'ordre où moi je vous ai rencontré. Enfin c'est quelque chose de très... Ça fait partie de la série quoi. C'est pile poil la série, c'est ça. Oh, les cybermites, magnifique. Ah oui. Ouais. Ah, merci. Ah, cette fois il nous faudra Sammy ou Gandalf. Bon, je vais déjà à remettre ça. On dirait que cette section a perdu son générateur. Mais où est-il passé? Ah. Ok, donc cool tag. Non, cool tag, oui, j'y étais. Ah, détecter quelque chose. Quoi? Non. Ah, là. Et où est Batman? Pourquoi tu restes en retrait, là? Ok, donc il faut remonter 3 générateurs. Ou plutôt 3 parties qui font en tout un générateur. Les cybermites qui nous attaquent. Allez, remonte-le. Ah. Si. Mais casse-toi, Cyberman. Voilà, si j'utilise pas le bon bouton aussi pour monter les trucs. Et de 1. Il est pas là. On va continuer notre tour. Il est sûrement en haut. Ok, donc il me faut quelqu'un qui est dans la zone bleue de l'eau. Donc j'ai Sam. Hop. Voilà.
Voilà, je peux aussi tout simplement la faire avec ça. Ce qui est bien dans Lego, c'est qu'ils vous disent clairement les choses qu'il faut détruire. Oh là là, mais c'est pas des cybermites là, c'est des cybermites géantes, c'est pas possible. Allez, hop. Allez, hop hop. Ah, cool tag. C'est pour toi. Non, cool tag, j'ai dit. Voilà, poussez-vous. Il est temps de penser différemment. Waouh. Waouh, c'est super joli en tout cas. Bon, du coup, les petites étincelles comme ça, c'est Gandalf. Je dois en faire quoi? Non? Ah oui, là. Ok. Je vois, il y a l'ombre. Voilà. J'ai toujours le dernier à construire. Hein, de trucs en haut que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Docteur ? Docteur ? Est-ce que c'est vous ? À l'aide ! Oh, c'est qui ? Ok, c'est qui ? Ça me fait plus rire du tout. Emmett ? Y'a qui ? Alors, Doc, le docteur, Emmett, Jenna, Iti. Ah, c'est dommage, ce gelé, Emmett. Ah oui, c'est pour réparer ça. Bon, eh ben, si ça vous dit... Oui, je l'ai là-bas. Si vous êtes d'accord, je vais juste aller attraper Emmett. Et je vais essayer, du coup, de libérer... je crois que, je suis pas sûre, mais ça doit probablement soit être Amy, soit être celle d'après. Bah, je pense que c'est Clara Oswald ou Amy. Allez, on va voir Emmett. Et un niveau bonus. Oups, désolé Emmett, vas-y continue. La première fois que je vais faire un niveau bonus, allez. Voilà. Ah, ok. Et maintenant, en haut, c'est Batman, qui, bien entendu, voilà, a disparu, comme toujours. Hein. Ah, mais c'est pas possible, ce bestiole. Allez. Non. Ah, voilà, le grappin est là. Hop. Ouais, c'est Clara Oswald. Allez, filez, petit malin. Et ne m'oubliez pas. C'est trop génial. Et d'abord, c'est courir, espèce de petit malin, et souvenez-vous de moi. Mais bon, c'était super grave, hein. On va dire que. Super génial. On va remettre ça à l'occasion. Oui, oui, c'est super génial. Bon, allez, nous, on a encore un générateur à trouver et à construire aussi, hein, par la même occasion. Elle est cybermite partout. Je les déteste, celle-là. Et j'ai sauvé Clara Oswald. Alors, ça, je suis super contente d'avoir sauvé Clara Oswald. Bon, de toute évidence, il n'y a absolument rien à faire ici. Ah oui, il y avait un genre de générateur, je sais pas quoi, par là. Voilà. Ben, il me faut la personne qui est sur... Ah ben, c'est toi. Voilà. Hop, c'est parti. On va avancer un petit peu cette fois. C'est quoi ce truc? Un satellite, peut-être? Ah oui, je crois que le dernier générateur doit se construire à partir de ça. Non, là, voilà. Allez, allez. Parce qu'on va le faire tomber, le casser et j'imagine le reconstruire. Voilà, en petit générateur. Voilà, c'est marrant parce qu'avec un grand truc, on a un tout petit truc. Mais par contre, il n'y a aucune pièce qui reste. Hein. Bah voilà. Forcément. C'est cool tag. Cool tag ici.
Cool tag en haut. Cool tag en bas. Et voilà. Maître constructeur. Il me semble que tout est en place. À présent, il faut lui donner vie. Ouais. Et c'est celui qui est sur l'électricité qui va le faire. C'est le siège du Cybermonarque, ça, il me semble. Enfin, ça ressemble. Cyber-roi, oui, dans la série, c'est le cyber-monarque, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc, nous allons nous battre contre le roi des cybermen, contre le chef, le grand cyber-monarque. Bon, et sinon, comment je lui fais des dégâts, lui, hein, j'aimerais bien savoir. Parce que, ouais, je... Ah, voilà. Il faut que j'attende qu'il se coince la main... Allez, les Cybermen, c'est parti. Ah, mais c'est pas possible, ça. Effacer les intrus. Allez. La résistance n'est pas logique. Si, c'est logique. La résistance est tout à fait logique. Allez. Ah. Allez, on va changer un peu. On va prendre Samy. S'il n'y a pas vraiment d'obligation d'avoir un pouvoir, on va prendre un peu Samy. Hein. Ce serait dommage. Bon. Allez, allez, qui se coince une main, un pied ou n'importe quoi dans le sol. Hop. Vous êtes incompatible. Effacez, effacez. Allez, là, X, X, vas-y. Allez, 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 Samy, vas-y. Yes. Non. Bravo. Le processus d'amélioration a échoué. Qu'avez-vous fait ? Ok, donc on va essayer avec le véhicule de Samy, la Mystery Machine. Si ça marche, je pense qu'il faut juste un véhicule, hein, il ne faut pas spécialement la Batmobile. Donc je sais pas quand est-ce que je vais arrêter cet épisode, je pense très très bientôt, parce qu'il m'a l'air déjà assez long comme ça. Je sais pas s'il est très très long ou pas.
On va voir, je vais avancer un tout petit peu, on verra bien ce que ça donne. Vous êtes impérieux. L'amélioration est obligatoire. Ok, donc on va, je pense, se laisser là pour cet épisode. Ça m'a l'air d'être un tout autre endroit, donc on va se laisser là. On découvrira une autre personne dans l'épisode suivant, donc on va commencer le labyrinthe des Cybermen plus tard. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que vous connaissez le docteur et que vous aimez autant Doctor Who que moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Salut !